نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Ami intime et confident du prophète, il fut présent à ses côtés à chaque étape cruciale de sa mission, ce qui lui valut d'être promis au paradis. Successeur du messager d'Allah, à la tête de la Oumma et premier des califes bien guidés, en 2 ans et 2 mois de califat, il accomplit plus que quiconque n'aurait pu le faire en 1 siècle, scintillant ainsi l'infini respect et amour des musulmans à travers les âges. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عبد الكعب ابن عثمان de son nom de naissance. Le prophète le renommera plus tard Abdullah. Il naît à Mecca 3 ans après le prophète dans une famille aisée de la tribu des Banu Taïm de Quraysh. Lettré et profondément épris de poésie, commerçant et voyageur, l'un des hommes les plus riches de Mecca, Abu Bakr est aussi un notable très populaire pour sa générosité. Mais il est surtout un hanif, chercheur de vérité, resté fidèle au monothéisme primordial d'Ibrahim alayhi salam, ne commettant jamais le shirk, bien qu'il ignorait encore la manière précise d'adorer l'unique. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui annonce la nouvelle de la révélation, il est le premier homme adulte à embrasser l'islam. Il se fait aussitôt missionnaire de l'islam. Abu Bakr est un homme très influent et apprécié des siens. Il engrange rapidement les nouvelles conversions, dont certains deviendront de véritables piliers de la jeune communauté musulmane. Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awam, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Awf, Sa'd ibn Abi Waqqas et bien d'autres. Bras droit du prophète, avec une fidélité inébranlable, qui lui vaut un statut très particulier auprès du prophète, qui le surnomme Al-Atiq, l'affranchi du feu, et lui promet les plus grandes récompenses, et lui dit « Certes Abu Bakr, tu seras le premier individu de ma communauté à entrer au paradis. » Lors du voyage nocturne, alors que Quraysh essayait de semer le doute sur la véracité de l'événement, Abu Bakr y a cru sans l'ombre d'un doute. Sa foi inébranlable lors de cet instant lui vaudra le titre honorifique de As-Siddiq, le véridique. Lors de l'immigration de Médine, sorti de Mecca, grâce à un miracle alors que Quraysh complotait l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux hommes se réfugient dans une grotte sur la montagne de Thawr. Les enfants d'Abu Bakr leur apportaient plats et renseignements sur les discussions en cours à Mecca sur les plans de Quraysh pendant 3 jours. Lorsqu'ils arrivent à Médine, le prophète décide alors d'élever une mosquée, symbole du nouvel ordre spirituel. C'est tout naturellement Abu Bakr qui achète le terrain et offre aux musulmans leur premier lieu de culte nommé Masjid Nabawi. Sa charité est tout aussi proverbiale. Il finance aussi l'expédition de Tabouk. Malgré un physique frêle, Abu Bakr participe à toutes les grandes batailles. À Uhud, il est blessé en protégeant de son corps le messager, sallallahu alayhi wa sallam. À la bataille du fossé, il dirige un effectif militaire et résiste avec ardeur à toutes les attaques. Puis vient le temps de la libération de Mecca. La ville sainte revient aux mains des musulmans et Abu Bakr est nommé Amir al-Hajj pour mener les Médinois au pèlerinage. Alors que le prophète vit ses derniers jours, affaibli par la maladie, pour diriger la prière, il nomme Abu Bakr pour le remplacer.
un immense honneur qui le désigne implicitement comme son successeur. Lorsque le prophète rejoint son créateur le 12 de Rabi'ul Awwal, le choc est terrible pour les musulmans. Abu Bakr fait la preuve de toute sa stature d'homme d'État. Après avoir vérifié l'information et embrassé le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de sa demeure et s'adresse aux musulmans présents et leur dit « Quiconque adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort, et quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. » Et récite ce verset. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Après des concertations et des consultations, les musulmans décident de prêter allégeance à Abu Bakr, devenant donc le nouveau calife et le premier. Une bonne partie de la péninsule arabique et les tribus apostates menacent la sécurité de sa capitale Médine. L'insurrection prend deux formes. D'un côté, de faux prophètes et vrais imposteurs à l'image de Musaylam al-Kadhab, et de l'autre, des tribus qui inquiètent de la perte de leur indépendance refusent de verser la zakat. Abu Bakr enfile sa cape de chef de guerre, car ici il est question de la survie de la nation. Il met en place une stratégie millimétrée pour disséminer aux quatre coins de l'Arabie contre tous les bastions apostats, des frontières du Chem au Yémen et à Oman. Contre toute attente, c'est lui qui était vu par beaucoup comme un homme trop doux et compatissant pour diriger, a fait preuve d'une force de caractère et d'une clairvoyance digne des plus grands chefs d'État. Suite à cela, toute la péninsule est à nouveau sous contrôle et la Oumma unifiée. Cette consolidation de l'État islamique s'avère être un coup de génie, car au nord, Byzance et la Perse s'inquiètent et ont pour projet d'écraser dans l'œuf le jeune État islamique. Ils décident de frapper en premier et déclenchent une série de campagnes préventives contre les deux superpuissances de ces terres. De l'année 13 de l'Égir, il lance ainsi son meilleur général, Khalid ibn al-Walid, sur l'Irak. Au printemps suivant, ce sont quatre armées qui pénètrent au Chem pour le libérer de la domination romaine. Abu Bakr met ainsi en route une trajectoire historique qui ne pourra plus être brisée et conduira à la constitution de l'un des plus grands empires de l'histoire. Malgré que Abu Bakr était désormais l'homme le plus puissant de la communauté musulmane, il n'en garde pas moins son humilité et sa modestie. Il poursuivait ses activités commerçantes au marché pour nourrir sa famille. Et il n'abandonne pas son habitude de venir en aide de façon anonyme aux familles des martyrs, aux veuves et orphelins. Abu Bakr non seulement était un homme pieux, véritable chef de guerre, il est la cause de la préservation du Coran sous forme écrite. Lors de la terrible bataille de Yamama, dernier affrontement de guerre d'apostasie, 70 mémorisateurs de Qur'an sont tombés martyrs. Inquiets sous l'insistance de Omar ibn al-Khattab de voir le texte sacré se perdre ou corrompre, Abu Bakr donne son feu vert à la compilation écrite du Qur'an. Voilà que son califat touche déjà à son terme, 2 ans seulement. Au mois de Jumad al-Thani, Abu Bakr tombe gravement malade. Il sent que l'heure de rejoindre son créateur approche, mais il n'est pas question d'abandonner la Ummah. Sans désigner un successeur. Après consultation, le choix se porte sur Omar ibn al-Khattab. Il dicte son testament à Uthman ibn Affan. C'est ensuite, aux côtés de son ami intime, Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est enterré, inhumé. Un honneur qui vaut à Abu Bakr d'être salué chaque année par des millions de musulmans. Rahimakallah wa radiyallahu anka ya Abu Bakr. بعد ممات هذا الصديق أبو بكر صح.